Eh bien, bonsoir à tous, c'est Cave, on se retrouve pour l'épisode 36 du Petit Frère Sagan. Aujourd'hui, fin du Giro et les championnats nationaux. Donc on en était à la moitié du Giro, on est parti sur la 11e étape. Donc voilà, 11e étape. On a 80 points d'avance sur João Almeida. Un peu plus, 85 points sur le premier sprinter Jesper Philipsen. On est sur l'étape des chemins blancs. Donc direction la Toscane pour arriver à Montalcino. Et bah évidemment un objectif de victoire, peut-être pas aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Peut-être viser les sprints intermédiaires, malheureusement aujourd'hui, forme du jour moins 3, ça va pas être évident. Au niveau des sprints intermédiaires, bah toujours les 5 premiers qui prennent, et à la fin on aura 25 points pour le vainqueur. Donc, hormis Caruso qui m'est dédié, très peu de les autres coureurs vont plutôt travailler pour Patrick Conrad et Ide Schelling. Pour le rappel, le classement général avec João Almeida, Maxime Van Gils, Nelson Paules et premier français Clément Champoussin, quatrième. On a Ide Schelling 19 et Patrick Conrad 22. Nous, on a déjà le maillot Cyclamen. On avait fait un gros gros travail en première semaine, ou du moins sur les 10 premiers jours. Et là, typiquement, c'était. On aurait pu partir en échappée, évidemment, mais on était juste après une journée de repos. L'intérêt est de plutôt aller chercher les victoires qui rapportent le plus de points. Alors sachant que, alors je sais pas si ces chemins blancs là, ces chemins de Toscane, est-ce qu'ils sont indexés sur les pavés ou pas? Ça, j'en sais absolument rien, parce que finalement on les voit pas sauter et tout. Ouais, on va même pas faire l'effort, ça sert à rien. Y a Patrick Conrad qui est parti, De Schilling qui est de notre côté. Malheureusement. On retrouve le champion du Brésil, Demelo.
Et là, ouais, non, mais ça sert strictement à rien, là. Si c'est pour se cramer. Aucun intérêt. On est dans un groupe de 26. De chez nous. On va peut-être ravi. Ouais, on va faire le ravitaillement pour aider au mieux de Schelling. Nickel. Ça lui permet de remonter dans le groupe de devant. Voilà, c'est bon. On va essayer de se replacer juste derrière Stéphane Kung. On n'est pas si loin du peloton, on n'est qu'à 1 minute. On vient de rentrer sur Laporte et Dario Mata. Mais ça prévoit de réaccélérer évidemment. Et là, on a un long chemin blanc. Et comme disait le commentateur, on va enchaîner ensuite avec un col de 5 km. Donc on a 2 km de retard, ça risque d'être très très compliqué d'aller rechercher. Suis le mieux au niveau des barres jaunes et rouges. Donc autant bien se placer pour l'équipe de une. Et après, de toute façon, ça ne me rapportera aucun point de faire l'effort là. On était plutôt sur du vallonné. Ce qui est étonnant, c'est qu'Élie de Schelling soit complètement cramé. On a Dario Mata qui fait l'effort. Il nous reste 4 km à gérer, mais de toute façon, ça va rerouler derrière. Il nous reste 3 km à gérer. En termes de points, c'est impossible. On est plutôt pas mal pour le moment. Qui est-ce qui roule? Nairo Quintana, ok. Alors on est un peu cramé. Hop! Donc victoire de Tim Wellens devant Mathieu Van Der Poel et Christian Sbaragli. Là nous on fait clairement l'effort pour le classement par équipe. Voilà, on se classe 27e. Et on va attendre l'arrivée d'Ide Schelling qui arrive à l'instant. On a João Almeida, 13e. Qui était grandissime favori pour ce Giro. Au niveau de l'équipe, on est 10e, 3,34, au général 15e. Au niveau des personnes qui auraient pris des points, bah, Tim Wellens, Mathieu Van Der Poel. Et on retrouve João Almeida, que 3 points repris. Alors là, on n'a qu'un sprint intermédiaire. Départ de Sienne pour arriver à Bagno di Romagna. On va peut-être essayer de prendre l'échappée là pour prendre les 8 points. Il y a de fortes chances qu'il y ait une échappée qui aille au bout peut-être. 200 km, 4 cols à gérer, une arrivée en bas du dernier col.
Alors, on retrouve Sagan, Storer, Quintana, Schulz, Nervaez, Bonamour, Gauthier, Cyril Barthes et Van Gestel. Donc, plutôt profil grimpeur. On retrouve Morello, Paso del Consuma, Paso del Caya et pour le final, Paso del Carnaio. Carnaio. Alors nous, clairement, on a un objectif déjà de une, pas chuter, pas se prendre la tête là au niveau du départ, aller chercher les 8 points. On a un peu plus de 5 minutes d'avance. On est à 15 km du sprint intermédiaire. On a les premiers ravitaillements. Et donc ça nous permettra normalement de franchir sans problème la barre des 150 points. Et de compenser les 3 points repris par João Almeida la veille. On a maintenant 6 minutes 20 d'avance. On est à 1,5 km. Est-ce qu'il y en a qui vont nous jouer le sprint? Non. Mais hop, on va quand même y aller. On va se mettre en mode récup juste après. Voilà, c'est chose faite. Et attaque du premier col de la journée. Donc là, le début d'étape n'a pas été forcément tout plat, évidemment. Et ça monte très très fort, Schulz. Donc je suis le quatrième à céder. On a Storer Nervaez qui reste à l'avant. Nous clairement, il y a Cyril Barthes qui est juste devant. Et dans la descente, on va être capable de revenir. Voilà, et de toute façon, je vais certainement pas. Comme j'ai déjà été lâché, je vais quand même pas faire l'effort avec eux. Je suis un des plus faibles du groupe. Alors on était monté à 6 minutes, on redescend à 5 minutes ici. Une échappée complète, il y a Bonamour qui est rentré. Et là comme on va être sur quelque chose d'assez compliqué là pendant pratiquement une montée de 15 bornes. Ravitaillement, il y a Storer qui roule plus. Et même chose pour Bonamour. Bonamour, c'est compréhensible. Storer, beaucoup moins. Et donc là, on n'a plus que 4 minutes d'avance sur le peloton. Ça roule assez fort dans le peloton. On est encore à 90 bornes de l'arrivée. On retrouve Van Gestel qui saute. Et voilà, il y en a certains qui ont mieux récupéré que d'autres. Et là, le peloton qui remonte à une vitesse grand V. Accélération de Van Gils. Van Gils plutôt bien. Nacri. Oscar Rodriguez.
Ça gagne toujours une minute d'avance sur le peloton. Et on est repris à l'instant. A Skelmoz qui roule. Et on va aller voir. Est-ce qu'on va pouvoir basculer avec eux? Non, c'est pas possible. Il y a Madouas qui saute aussi. Coléoni, il y a Gotchi, Barthes. Il s'est dans l'échappée ce matin. Tao Geoghegan-Aert, De Schelling, Rochas. Et Filippo Ganna. Donc c'est bien qu'on soit avec le meilleur rouleur, l'un des meilleurs rouleurs du monde, du moins pour la descente. Et ça permettra de faire l'effort dans la vallée. Voilà, on est avec Ide Schelling. On a pratiquement 4 minutes d'avance sur la porte, donc clairement. Se jouer cette place-là. Patrick Conrad est encore à 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de l'échappée. Et on est reparti sur une montée, la troisième de la journée. On a 9 km à gérer, mais ça remonte assez vite quand même pour les attardés. Schilling, il est un peu derrière. On trouve Marc Hirschi. Il y a Nygaard, le meilleur jeune de ce tour, en 7e position. On a la Quick-Step qui fait l'effort. Arkea Samsic aussi. Et là, ça saute. Sobrero, Rodriguez. Et là, Nygaard n'est pas aussi bien, n'est pas très bien. Il y a Bennott, même chose. Et nous, ça va beaucoup trop vite. Maillard, connaît pas trop. Va se faire la descente ensemble. Ah là là, chute. Aïe aïe aïe. Chute et ce sera définitif. Abandon de Simon Sagan sur ce Giro. Y a pas un bug, on pourrait accélérer. Non, on peut pas. Et bien pour nous, c'est fini. Giro terminé à la 12e étape. C'est l'abandon. Si on regarde ce qui se passe à l'avant, Michael Storer a été jusqu'au bout. Il reste 3 km à gérer. George Bennett deuxième. Nervez, Van Vilden, Ben O'Connor, Hugh Carty, Nairo Quintana. On retrouve des échappés. Lenny Martinez, plutôt assez fort. Schultz, car Hugo Valter. Fortunato. On a Patrick Conrad qui avait fait l'effort. Et arrivée de Conrad avec Ide Schelling.
Et donc là, abandon. On va aller au jour suivant, voir. Entorse au poignet, retour prévu fin juin. Ça risque d'être compliqué quand même pour... Faut être en forme sur le Tour de France. Niveau de l'infirmerie, fin juin 2026. Fin mai, là on a du Fabro mi-juillet, mi-juin pour Jacobsen, fracture du crâne. Truc de fou qui se passe. Bon, on va avancer. Un peu dommage. On quitte ce tour, ce Giro avec trois étapes, je pense. Trois victoires d'étape. On ne gagnera pas une deuxième fois le maillot cyclamen. Et ça doit être notre deuxième chute sur cette carrière. Et la première blessure. Blessure qui nous empêche de finir ce Giro. C'était le deuxième après la saison 3. Sur la saison 3, j'avais été chercher deux victoires d'étape, je pense, et le maillot cyclamen. Donc on risque de pas avoir beaucoup de jours de course, malheureusement.
Donc on est en rouge jusque quand? Alors, retour prévu fin juin, ok. Mais bon, on continue d'avancer, c'est pas grave. Je viens de voir là, merci à Timothée pour le suivi. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on sera remis pour le Tour de France? Alors, dans l'idée, on est toujours parti sur une victoire sur chacun des grands tours. Mais. Est-ce que pour le Tour de France, on sera remis? J'espère. Pour les championnats nationaux, ça risque d'être compliqué, évidemment.
Alors limite, je vais passer niveau 37, peut-être sans faire le Tour de France. Alors, au niveau infirmerie. Ah, toujours retour fin juin. Ok. Au niveau des entraînements. Ah, d'accord. Retour le 23, juste après les championnats nationaux. Ok, retour le 23. Donc, limite. Ouais, dans l'idée, je laisse le jeu avancer et puis je reviens dès qu'on est au début du Tour de France. Et je pense commencer, je pense, le début du Tour de France sur cette sur ce stream. C'était pas prévu, mais tant pis, c'est les aléas.
Eh ben, de toute façon, y a pas, ça n'a pas changé. Retour de blessure, apparemment. Fin de la blessure le 22 pour un retour le 23. Ce qui est bien, c'est que sur les actuels, l'actuel PCM, c'est fixe les blessures. Avant, c'était, ça pouvait évoluer sur. Ça pouvait être prolongé parfois de 2 voire 3 semaines sur les blessures assez graves. Donc on est sur les 2 jours les plus longs, le 18 juin, le 22 juin, avec tous les championnats nationaux. Donc pour ceux qui passent sur le stream, on est en mode blessure. Donc on n'a pas pu faire la fin du Giro. On ne pourra pas défendre notre maillot national. Par contre, la blessure, la fin est prévue pour le 22. Ça veut dire qu'on a toutes nos chances de commencer le Tour de France aujourd'hui. On est parti sur le 22. On est sur le deuxième, le jour le plus long. Avec tous les championnats nationaux.
Alors, ceux qui passent sur le stream, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. J'ai mis l'historique de notre souci, de la chute sur le Giro. Et donc, on va prendre un peu d'avance avec le début du tour. Ne serait-ce que peut-être, je pense, la moitié aujourd'hui, avec toujours en quête un maillot vert. Et remporter un maximum d'étapes, comme d'habitude. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé en ce moment. Alors, on va voir ce que ça donne. Précédent. Voilà, on a repris au niveau de la fatigue. Ok, objectif toujours Tour de France. Et ben on aura un pic de forme décalé, pas grave. Toute façon, le retard qu'on a pris sur l'entraînement et le pic de forme, on pourra jamais le récupérer. Donc là, ça risque d'être compliqué avec une forme là à 74%, une équipe qui a 66% de d'intérêt. Et il nous reste 24 points pour passer au niveau 37, niveau maximum, et pour avoir notre dernier up de stats, donc toujours la même chose, Total Energy ou bien Total Energy ou la Quick Step. Affirmé. En termes de calendrier, comment ça se passe? Et bien, le Tour de France, Saint-Sébastien, la Vuelta, Québec, Montréal, Europe, Luxembourg et championnat du monde. Et donc c'est parti. On a une forme de 85% et 66% de confiance auprès du sponsor. Et je pense être en pic de forme. Sur la troisième semaine du Tour de France. Donc là, départ de Brest pour la montée de Landerneau. On a un sprint intermédiaire avec 20 points à prendre. Je pense y essayer de prendre l'échappée. Et ça va être la première fois depuis pas mal de temps que je vais rouler sans maillot distinctif, sans maillot de champion du monde, sans maillot de champion d'Europe et sans maillot de champion national.
Et on va essayer de faire le maximum pour le maillot vert. Et voilà, on est le premier attaquant de ce Tour de France. On a récupéré les liserés de champion du monde. Il y a Scottson qui nous suit. On a trois autres coureurs là juste derrière. On va lever un peu le pied. Oh, si tu veux, allez, plutôt plaisir. Les points si tu pas y a aucun problème. Miles Scottson, l'Australien. Alors il nous dit de tourner, pas de problème. Mais il faut que l'échappée elle parte quand même. Vu là le ce que je vois à l'arrière avec les temps. Soit on va être pris, soit on part qu'à deux. Ah, tu joues. Alors à l'arrière, on a trois coureurs qui rentrent avec Pérez, Moniquet et Elie Gébert. On a quand même un plus 3 aujourd'hui. Et clairement, on est dans un objectif d'aller chercher le sprint intermédiaire à Pleban. Alors vous attendez pas à ce que je roule, hein. Vu qu'ils ont mis une mine au moment où je lâchais là. Donc on a 5 minutes d'avance. On a Scottson de l'équipe Saxo Bank Tinkoff. Anthony Perez de chez Cofidis. Ensuite Elie Gébert d'AG2R Citroën et de Moniquet d'Intermarché Circus, mon petit groupe Gobert. Alors on est à 10 km de ce premier sprint intermédiaire. Une fois que ce sprint sera passé, on se mettra en mode défensif parce que de toute façon le peloton va rentrer. Et c'est parti. Par contre, autant vous dire que je vais certainement pas me relever pour vous attendre. Alors, dans notre équipe, on retrouve Sam Bennett, Caruso, Jacobsen, Patrick Conrad, Hopstetter, Gino Madère et Warren Barguil.
Parmi les autres favoris, les leaders, on a Rafał Majka, Nylands, Garcia Cortina, Novikov, Rack Andersen, Jack Egg, Johannessen, Bisseger, Cosnefroy, Jorgensen, Gosselin, Moscone, Philipsen, Mats Pedersen, Simon Yates, Vingegaard, Remco Evenepoel, Caleb Ewan, Bernal, Alaphilippe, Van Aert, Sagan et Tadej Pogačar. Dernier ravitaillement. Et clairement, avec 50 secondes d'avance, ça va pas le faire. Voilà, c'est chose faite. Alors là, clairement, on a un objectif de bien se placer. On retrouve Ackermann champion d'Allemagne, Aramburu champion d'Espagne. J'ai vu un champion d'Autriche. Non, de Costa Rica. Toujours Gonzalez. On a Higita qui est devenu champion de Colombie. Jorgensen qui a gardé son titre de champion des États-Unis. Mats Pedersen certainement pour le Danemark. Et on a une montée à gérer. C'est parti. Avec la forme qui nous reste. On va voir ce que ça donne dans la montée finale. Alors, on active le mode faufilement. Et ensuite, on teste la position aéro. Alors, évidemment, notre objectif, rentrer dans le top 10. Est-ce que ça va le faire? Voilà, on sera vraiment dans les tout meilleurs, mais un peu limite. Victoire de Maximilian Schachmann devant Tom Pidcock et David Goudu, premier français et troisième. Moi, je vais chercher, je pense, un top 25. On est 27e, 27e anecdotique, clairement. Tadej Pogačar et Primož Roglič déjà bien placés en 7e et 8e position. On avait Tom Pidcock champion du monde. Champion du monde l'année dernière.
Alors, deuxième étape, avec une arrivée. Côte de Cadoudal ou mur de Bretagne, je sais plus. Ouais, mur de Bretagne. Même chose, une petite envie de partir en échappée, ne serait-ce que pour accumuler, ben aller chercher les 20 points. Les points que je pourrais certainement pas prendre dans le final. Quitte clairement à se relever aujourd'hui pour aller chercher une première victoire demain. Hop. On va essayer de repartir comme la veille. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Hop. Alors, il y a Erogots qui nous accompagne. Et je vais te dire que je vais quand même pas faire tous les efforts. Voilà, on est parti avec Gale et Smirnoff. Donc clairement sur ce Tour de France, une échappée à l'européenne avec un Russe, un Slovaque, un Autrichien et un Belge. On a 2 minutes 30 d'avance. De notre côté, on va relancer à 65. Une première côte répertoriée. En quatrième catégorie. Alors clairement, on va suivre Gale. Gale, l'Autrichien. Et hop, c'est parti, on va faire l'effort. Ouais, normal. Donc c'est Ivan Smirnov qui est passé en tête. On est environ à 4 minutes d'avance. Hop, on profite d'être en dernière position pour surprendre tout le monde. Et non, toujours pas. Cette fois-ci, c'est Félix Gall qui passe en tête. Et on est à 25 km du sprint intermédiaire. On est dans la côte de Saint-Brieuc. Ou même chose. En dernière position, on va aller faire l'effort pour surprendre tout le monde.
Et cette fois-ci, c'est Smirnov qui va aller chercher. Donc, grosso modo, hormis Hero God, on a Smirnov qui a pris 2 points et Félix Gall qui s'est pris 1 point. D'accord, ils ne veulent pas prendre les relais, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire l'effort jusqu'au sprint intermédiaire. Et donc on a quelqu'un de chez... Je sais plus qui est passé en... Pas vu. Madouas, ok. Ouais, clairement nous on a fait l'effort. On va se mettre en mode récup. Et donc on a Mac Youcarty qui fait l'effort à l'avant. Turgis, Philippe Ogana, Van Dijk qui relance. On est à 5 km de l'arrivée. Qui est-ce qui a Dak? Toujours Van Dijk. On a le maillot jaune qui est là, Schachmann, on a Pogacar, Chavez. Donc tous les meilleurs. Et on est parti là pour cette montée. Pogacar qui fait l'effort devant. On a la Philippe qui est plutôt bien aussi. Et on va voir, on est à la flamme rouge, ce qui se passe dans ce dernier kilomètre. Et donc victoire de Pidcock, je pense, devant Pogacar et Maximilian Schachmann. Julien Lafitte, premier français et quatrième. On retrouve Simon Sagan à 2 km de l'arrivée. Il a fait un gros gros boulot à la fin. Première étape de plaine. Avec départ de Lorient pour arriver à Pontivy.
Alors, on va me demander de travailler 25 km à l'avant du peloton. Qui est-ce qu'on retrouve? Jack Stewart, champion de Grande-Bretagne. Certainement une arrivée au sprint. Et une échappée qui a quand même du mal à se constituer. On n'aura que trois personnes à l'avant aujourd'hui. Je voudrais passer. Voilà, c'est bon. On va bosser 25 km. Et autant dire qu'on va chercher à se débrouiller tout seul. Alors à l'avant, on retrouve Touzé, Andrieu et Régots. Un sprint intermédiaire à Radenac et une arrivée à Pontivy. On est toujours environ à 85% en forme générale, avec un petit peu de fatigue. On sort évidemment de blessure. La cote de Cadoudal en quatrième catégorie. On a clairement RTL Bianchi qui roule en tête de peloton. Donc on a Andrieu qui a pris un point en haut de cette côte de Cadoudal. Et maintenant direction le sprint intermédiaire à Radenac. Crevaison d'Jacobsen. Il y a Oldani qui roule. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un derrière. On a Decker d'Arnezé. Et ben hop, on va suivre Decker. Oldani. C'est parti pour nous. Donc on a beau être pas très en forme. Voilà. Alors comment ça s'est passé le sprint? Decker nous a devancé clairement, mais on prend quand même 11 points. Donc Decker, sprinter à suivre. On avait aussi du Sam Bennett, du Coij, du Darnese, Pedersen, Caleb Ewan, Stewart Philipsen, Sénéchal, Madouas, Pidcock. Bon, clairement, ouais, tous les meilleurs sprinteurs sont là. Donc à la cote de Cadoudal, c'était Andrieu qui avait pris les points. Et là, c'est Touzé qui prend le deuxième point distribué aujourd'hui au niveau du classement de la montagne. On retrouve Wout van Aert avec son maillot de Belgique, champion de Belgique évidemment. Il avait laissé une année et on avait tendance à confondre avec pas Dylan Teuns, mais... Tiens, il n'est pas là. C'est pas Tim Wellens peut-être ou Dylan Teuns, je sais plus. Donc on a la Lotto Soudal qui est plutôt bien organisée.
Alors, je me suis mis en position aéro pour compenser un peu cette blessure et aller chercher, je l'espère, une première victoire d'étape aujourd'hui. C'est parti. Est-ce qu'on va savoir? Eh oui, première victoire de Simon Sagan devant Philippe Sen, Olive Koj, Caleb Ewan, Sam Bennett. Ne serait-ce que pour compenser ce 85% en forme générale. Donc on a eu une cassure. Est-ce que ce serait une cassure comptée? À voir. Donc on était 53e à l'avant. Non, cassure non comptée. Et au niveau du classement du maillot vert, je prends la tête. Et dernier up, on croise les doigts, on va voir ce que ça donne. 85 en sprint, 76 en pavé, on va voir s'il y a d'autres propositions. Une résistance d'améliorer. Et ben voilà, pour ce dernier up, on monte à 80 en plaine, 66 en contre-la-montre, 76 en pavé, 85 en sprint. Résistance de 83, une récupération de 73 de résistance, pardon, et 74 de récupération. On active notre 36e point de compétence et arbre complet. Donc il nous aura fallu 5 saisons. Demande de coéquipier. Ok, ouais, ça me permet de remonter niveau 85, ouais, pas de souci. Première journée de repos, on monte à 86. Alors on va aller voir en termes de moyenne, je reste à 83 de moyenne. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Et par rapport au meilleur sprint, déjà meilleur coureur, je suis à la même moyenne que Pogacar. En termes de plaine, on est derrière les gros spécialistes des pavés. Et par contre, en termes de sprint, je suis très très en avance par rapport à Sam Bennett et Caleb Ewan. Si on compare les trois, j'ai une meilleure plaine. Je suis meilleur en montagne, je suis meilleur en vallon. En contre-la-montre, c'est équivalent. En prologue, je suis meilleur. En pavé, je suis meilleur. En accel, c'est équivalent. On a Caleb Ewan qui est meilleur. En descente, je suis meilleur. En termes de baroudeur, on a Sam Bennett qui est meilleur. En termes d'endurance, c'est mieux pour moi. La résistance, on fait jeu égal avec Sam Bennett. Et en termes de récupération, on est en dessous. Donc il n'y a que la récupération sur laquelle on aurait pu s'améliorer. Mais on est parti là pour une quatrième étape entre Redon et Fougères. Une étape d'un peu plus de 150 km. Donc là, on a pratiquement toute l'équipe qui est à mon service. Au niveau du classement général,
On a Patrick Conrad qui a une minute 28, voire une Barguil dans le même temps. Au niveau du classement par points, j'ai 25 points d'avance sur Tom Pidcock. Et mais pratiquement 50 sur Jesper Philipsen, notre le meilleur sprinter. Classement de la montagne pour Pidcock Moniké. Meilleur jeune, je suis en 12e position. Et classement par équipe, 12e en 3,45. Donc là, clairement, une étape de transition. À l'avant, on retrouve trois coureurs. Smirnov, Andrieu et Champion. Donc on est monté à 86%, c'est-à-dire que dans une dizaine de jours, on sera plutôt bien en termes de forme générale. On est à 85, il y a Caleb Ewan là, qui va être bien lancé. On va se faire notre place. Même Sénéchal et Decker qui ont l'air un peu mieux. Warren Barguil qui nous dérange clairement. Clairement, il s'en rend pas compte, mais. Alors, est-ce qu'on devance Coige? J'en sais strictement rien. On va aller voir tout de suite. Non, on l'a passé sur la ligne. Parfait, retour dans le peloton. On va se replacer correctement. On a Mats Pedersen qui a regardé son maillot de champion du Danemark. Et donc on a Andrieu qui prend la tête. Et juste derrière le peloton qui fait l'effort. Avec Vandemoor en tête. Caruso était mal placé. Alors dans l'idée, tant que je ne serai pas à 90% de forme générale, je vais utiliser la position aéro pour me placer correctement. On va se caler derrière Philipsen.
Ouais, c'est parti. Et ça va donner une belle deuxième victoire sur ce Tour de France. Victoire devant Caleb Ewan et Olav Kooij. Jesper Philipsen 4e et Mats Pedersen 5e. Le premier français et Florian Sénéchal à la 9e place. Contre la montre. Donc on va peut-être avancer jusqu'au 10 juillet, donc il nous reste 5 étapes à faire. On est toujours à 86% de forme. On a un contre-la-montre de 25 km. Ça veut dire que ça devrait se jouer en 28 minutes. Peut-être un peu moins de 28 minutes, quoiqu'on est pratiquement à 26 km. Peut-être entre 28 et 29 minutes. On retrouve, ben, comme d'habitude, Wout van Aert et Filippo Ganna. On a Casper Asgreen qui est pas là. Il y a Stephan Kung qui est présent, mais qui a pas l'air d'être dans un grand jour. Non, Stephan Kung n'est pas là. Voilà, je suis le 45e à partir. Donc on est à la 133e position, à plus de 5 minutes 40 de la tête. Mais avec déjà deux victoires au sprint. Et pratiquement le double des points, donc pratiquement 80 points d'avance sur Tom Pidcock et sur Caleb Ewan. Dans l'objectif, on va faire comme l'année dernière avec essayer de faire des doublés ou des triplés avec Sam Bennett et Jakobsen. Donc on a un plus 1 aujourd'hui. Ce qui est pas trop mal là pour un contre-la-montre. Alors on pense à la 40e place, à plus de 2 minutes déjà de la tête. On a la possibilité d'encore accélérer, sachant que le final est en légère descente. On passe cette fois-ci à la 37e place à 2 minutes 27. Et l'objectif, ça va être de finir très 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 fort. Alors on s'est cramé un peu sur la fin. Et on remonte à la 30e place à 2 minutes 45. On a juste lâché 15 secondes sur Stéphane Bisseger, le rouleur suisse. Notre objectif, ça va être de suivre certainement Wout van Aert, qui est à la 27e place, au niveau de chez Ineos, Filippo Ganna, 85e, on va plutôt suivre d'abord Filippo Ganna. Parmi nos coureurs, on avait Hopstetter, 114e. Et Sam Bennett, 71.
Donc là, clairement, si je finis dans le top 100, ce sera déjà très très bien. Départ de Filippo Ganna. Le deuxième temps au premier passage intermédiaire. Le premier temps au deuxième intermédiaire. Et le meilleur temps général devant Stéphane Bisseger. Si on suit avec Wout Van Aert, qui était en 27e position. On retrouve Sam Bennett qui est en route sur ce contre-la-montre. Sixième, donc 20 places de mieux que Simon Sagan. Gino Madère, ça donne 39e place à 1 minute 50. Patrick Conrad, Warren Barguil vont partir dans une dizaine de minutes maintenant. On a Matteo Jorgensen qui s'est replacé, ainsi que Magnus Kort-Nielsen qui finit à la quatrième place. C'est parti pour Patrick Conrad et pour Warren Barguil. On a Wout Van Aert qui vient de partir aussi. On va aller voir ce que ça donne là. Premier classement intermédiaire, on a Wout Van Aert qui a 23 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Deuxième temps intermédiaire, 20 secondes pour Wout Van Aert sur Filippo Ganna. Et est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Ça tient jusqu'au bout avec Wout Van Aert qui remporte certainement ce contre-la-montre avec 10 secondes d'avance sur Filippo Ganna. On va aller suivre Tadej Pogacar. Qui fait partie, qui est déjà à la troisième place au classement général. On va voir ce qui va. Est-ce qu'il fallait pouvoir concurrencer les deux meilleurs rouleurs du monde en ce moment? On a Stephen Kung qui est pas là, qui est pas sur ce Tour de France. On a Remco Evenepoel qui arrive à prendre la quatrième place. Premier passage. Tadej Pogacar à 2 secondes. 2 secondes, c'est-à-dire qu'il fait un meilleur temps que Filippo Ganna. Au deuxième intermédiaire, Pogacar toujours devant avec 7 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Et est-ce qu'il va garder cette deuxième place au final? Et non, non, non. C'est un peu effondré là sur la fin. Mais troisième place à 18 secondes, ce qui est déjà énorme. Et ce qui va impliquer qu'il va reprendre le maillot jaune, je pense. C'est ça. Pour 4 secondes à Maximilian Schachmann. Donc une étape entre Tours et Châteauroux, avec une grande zone devant d'environ une cinquantaine de bornes, 150 km d'étape.
Donc le directeur sportif attend de nous un top 3 au classement de l'étape. Et donc il y aura le vent à gérer. Au niveau du classement général, Patrick Conrad 33e à 2 minutes 45. Ce qui est pas trop mal. C'est-à-dire qu'il peut récupérer du temps sur ses principaux concurrents dans les étapes de montagne et de vallon. On arrive à un premier sprint intermédiaire. Sam Bennett qui va se caler derrière Sagan. Et on va observer. À l'avant, on a trois coureurs. Lucro, Jolivet, Velasco. Mentens, Van Dijk. On avait Casper Asgreen aussi, qu'on n'a pas vu sur le. Sur le contre-la-montre, il est comment Casper Asgreen en ce moment? Ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Donc on va voir ce qui se passe troisième kilomètre. Oldani, Mats Pedersen. Prendre la route Mats Pedersen et c'est parti. Voilà, allez, est-ce que ça va passer? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Ça a été. Il y a Koj, non, qui passe devant. Voilà, ça c'est chose faite. Par contre, Sam Bennett, je sais pas ce qu'il a donné. 9e à 7 points. Ok. Et là, l'intérêt avec le vent, ça va être de rouler. On est rentré dans la zone de vent. D'accord, Caruso. Ça roule beaucoup plus fort que ça. D'accord. Est-ce que Philipsen peut peut-être remonter? Ce serait bien. Comme ça, on aurait nos trois sprinters à l'avant. Nous, on serait bien placés. Il y a Caruso qui a déjà sauté. Gino Madère aussi. Il y a 30 bornes de l'arrivée. On a Warren Barguil qui fait l'effort là pour les bidons. Qui est complètement dans le vent. Alors, au niveau des bidons, ouais, ça va remonter tranquillement. De notre côté, Jakobsen est un peu loin. À mon avis. C'est en train de casser derrière. Et est-ce que. Oui. Warren Barguil a un dernier effort à faire. Clairement nécessaire. Voilà, c'est bon. Non, toujours pas. Voilà, c'est bon. Warren Barguil a fait le job. Un peu compliqué évidemment, mais le job il est fait. Terre qui est parti, qui a lâché tout seul. Jakobsen qui est très très loin. Jakobsen qui a été dans le vent pratiquement tout le temps. Wout Van Aert, c'est pas mieux.
Et il y a Patrick Conrad qui va rouler. Et on me demande un top 3 et ça risque d'être assez compliqué quand même. Alors clairement, Sam Bennett derrière Sagan. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, au niveau des sprinters, va voir qui a encore une équipe assez complète. Envie de me mettre à 85 pour me récupérer un maximum là. Pas se rester enfermé. Notre côté, on fait l'effort. Est-ce que ça va tenir? Ça devrait tenir. Et c'est parti. On va voir ce que ça va donner. On est assez rapidement. Ah ouais, on finit troisième, mais ça nous a permis de déposer Sam Bennett devant Caleb Ewan. Jesper Philipsen, quatrième. On finit 35 à l'avant. Donc cette étape avec du vent, très très compliquée. Là, on est en train de suivre. On a Jake Stewart là qui est derrière. Et au niveau des points, on perd 3 points par rapport à Caleb Ewan. Mais on est pratiquement déjà à 200 points, 197. On est parti sur 3 étapes, une étape vallonnée et 2 étapes de montagne. Clairement, on n'est pas disposé à gagner cette étape. Quoique, est-ce que je sais plus peut-être qu'on l'avait gagné l'année dernière, mais dans la douleur. Là, comme on est en sortie de blessure, ouais, ça risque d'être compliqué. On va essayer de prendre l'échappée pour aller gratter 20 points. Et à l'arrivée, 30 points. Ouais, ça fera que 10 points de gagné pour le vainqueur d'étape. Je pense que c'est une étape qu'on avait déjà gagnée, mais là, on n'est pas en pic de forme, on sort de blessure. Trop compliqué à aller chercher. Donc, on va partir tout de suite en échappée, ne serait-ce que pour assurer les 20 points du sprint intermédiaire. Si on part, évidemment, on est toujours dans l'idée de si on part. Apparemment, ce ne sera pas chose facile. Ça repart maintenant. Il y a qui avec moi? Pidcock, Caleb Ewan, Moniquet. Oh là 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 là, ça risque d'être compliqué ça. Il va falloir qu'on surprenne nos adversaires. Ça relance. On va pouvoir monter tranquillement en mode surprendre. Hop, c'est chose faite. Et c'est Pidcock qui nous suit avec Elie Gébert et Caleb Ewan. Ouais, et ben on partira pas là sur cette échappée.
On va voir ce que ça donne là sur le long terme. Et finalement, personne dans l'échappée. Une étape sans échappée. On a 6 retardataires derrière. Là, ça roule déjà assez fort. On a Jolivet qui a fait l'essai de partir. Il nous reste 40 bornes à tenir. Hop, Stetter, ce serait bien qu'il soit en protection de Sagan. Voilà, c'est chose faite. On a 3 personnes qui sont parties à l'avant. Donc à l'avant, on retrouve Laffey, Lucro, Kra et Tusveld. Stetter, on va le remettre en automatique. On a Tusveld à aller chercher. Il n'y a pas de petits points, pas d'économie. On a Ader qui est là. Jack Stewart. Et même chose. Là, il y a moyen d'aller chercher la deuxième place. Sam Bennett qui accélère. Et c'est parti. Est-ce que Sam Bennett... Voilà, c'est chose faite. On a pris la deuxième place. Donc on a pris 17 points. Merci à Sam Bennett d'avoir fait le boulot devant. Et maintenant, il n'y a plus d'échappée non plus là. Ça veut dire que ça va rouler très très fort dans le final. Stetter qui fait l'effort là pour le ravitaillement en bidon. La côte de Château-Chinon enchaînée avec Glu-Anglaine, la montagne Saint-Sébastien, le signal du Chon, la côte de la Gourlaye et une arrivée au Creusot. On est à 87 maintenant, 87%. Évidemment, comme d'habitude, on va être dans un objectif. Non, pas de victoire d'étape aujourd'hui, mais quitte à essayer de passer un maximum de difficultés, de récupérer un maximum entre chaque, et voir surtout ce que ça donne à la fin, s'il y a moyen d'aller gratter une 15e place, on va pas s'en priver. Donc on a Sam Bennett là qui roule. On est sur la côte de Glu-Anglaine. On va reprendre le quatrième homme échappé. Ça monte pas trop vite. On a Pogacar qui est déjà bien placé, le maillot jaune. Et là, on est en descente. On va être en récup tranquille. On en voit aussi à l'avant Mats Pedersen pour l'équipe Trek-Segafredo. Et en termes de ravitaillement, c'est Warren Barguil qui va faire l'effort. Comme hier dans le vent à Châteauroux. Un peu plus simple aujourd'hui. Il arrive ou pas?
Ouais, il vient de passer. C'est bon. On attaque la montagne Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, pardon. Pas de raison que ce soit espagnol ici. On a Wout Van Aert qui est très très bien placé. Pas encore de coup d'éclat dans les sprints. On va essayer de faire un effort là, ne serait-ce que pour se replacer, n'avoir aucun regret. Il nous reste 1 km. Ouais, et pour nous, on est trop juste. On est clairement trop juste, donc hop. On va se mettre en mode récup. Et bizarrement, Tadej Pogacar, ici, retardé. Va clairement nous mettre à l'amende là dans la prochaine montée. Avec tous les efforts qu'il a fait en première semaine, très étonnant de le voir lâcher ou mal placé à ce moment-là. Donc évidemment, on n'est pas très loin là de ce peloton. Mais c'est vrai qu'avec plus d'énergie, on va pas pouvoir aller très très loin. Le signal du chon avec une montée, une première partie de montée, une redescente et une deuxième partie de montée assez sèche. Egan Bernal est certainement passé en tête avec 5 points. Il est actuellement meilleur grimpeur de ce tour. Et c'est clairement un gros gros chantier sur cette étape. Alors, à l'avant, qu'est-ce qui se passe? Attaque de Pidcock, derrière Alaphilippe, Goudu, Vingegaard. Ah ben, ils en profitent. On a Bernal qui relance derrière. Et on retrouve ben, 7 personnes à l'avant, Alaphilippe, Goudu. Là, en termes de sprint, ben, ouais, je dirais bien Alaphilippe ou Pidcock. Accélération de Julian Alaphilippe. Et donc, on a un petit virage, une montée, ce qui va donner à l'arrivée la victoire de Julian Alaphilippe. Nous, de notre côté, on est à 6 km de l'arrivée. On a Krak Andersen. Il y a beaucoup de personnes qui roulent pour Krak Andersen. Et 7e étape du Tour de France terminée. L'impression qu'il y a un abandon. Sur l'étape d'Orient Godon. On est parti pour le 10e étape. Non, la 9e, la 8e étape, pardon.
Donc on s'arrêtera le 10 juillet. Il nous reste 2 jours à faire ce soir. Avec évidemment un objectif de maillot vert. Départ d'Oyonnax pour prendre la direction du Grand Bornand. Comme on est sur 2 étapes de montagne, je pense essayer de prendre l'échappée. Avec ce sprint-là en plein milieu, mais il va falloir gérer là, la première montée en deuxième catégorie. La côte d'Échalon. Et le sprint se situe à Cruseilles. Ça permettra d'avoir d'emmagasiner une vingtaine, au mieux une dizaine de points, si on ne prend pas l'échappée. Alors ceux qui passent sur le stream, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. Ça fait plaisir et au moins je vois que vous êtes passé. Alors j'espère pouvoir prendre l'échappée facilement. Hop. Alors l'échappée est partie. Maintenant, il va falloir que je vois si je bascule avec eux ou pas. Est-ce que ça attaque? Oui, ça attaque. Pour le. Je pense que c'est le premier col de deuxième catégorie de ce Tour de France. Voilà. Et après, on va se mettre en effort normal d'échapper. Alors, on retrouve dans cette échappée. On va attendre qu'elle finisse de se constituer. On a un peu plus de 3 minutes d'échappée sur le peloton. Et hop, on va se remettre en marche. On retrouve Simon Sagan, Jack Egg, Chavez, Garcia, Fortunato Rota, Vervac, ouais. Shaw, Wellems, Mas et Payot. Donc évidemment des objectifs différents suivant les coureurs. Avec des victoires une victoire d'étape, un maillot à poids à aller chercher, avec deux cols de deuxième catégorie et deux cols de première catégorie. Moi, où je vais clairement aller chercher les points, ça va me permettre de monter normalement 234, s'il n'y a pas de problème au niveau du sprint. Ça m'étonnerait qu'on vienne me concurrencer là à ce niveau-là. On a un peu plus, on a environ 4 minutes 30 d'avance sur le peloton. Et le sprint à Cruseilles est dans un peu moins de 4 km maintenant. Et c'est parti, comme ça, on n'a pas de doute sur les intentions de chacun. On a 5 minutes d'avance maintenant. On est bien à 234. À l'arrière, qui est-ce qui a pris les points d'Arnese Ewan, Gonzalez et Vervlosem? Et pour nous, l'étape elle est terminée. Donc il y aura à monter le Mont Sassonnex, col de Rome et col de la Colombière pour redescendre sur le Grand Bornand. Première, donc clairement première étape alpestre. Alpeste. On va essayer de les accompagner le plus loin possible.
Normalement, c'est moi qui devrais sauter le plus. C'est moi qui devrais sauter le premier. Ouais, c'est chose. C'est ce qui est en train de se passer là. Et derrière, on a. Ah, il y a Payou qui avait sauté aussi bien avant. Mais là, dans ce premier col, on a Lorenzo Rota qui a pris la tête avec 10 points. Donc nous, on va faire l'effort. Là, on a pratiquement 6 minutes d'avance sur le peloton. On est dans le col de Rome. Le peloton qui est encore à 6 minutes. On voit Landa, Johansen qui ont accéléré. On est toujours dans le col de Rome. Dans la descente, on active le dernier ravito en bidon. Voilà. On est avec Mas, qui est une meilleure note de vallon que nous, mais une note de montagne de 68 contre nous, 67. Et si on regarde à l'avant, on retrouve Jack Egg, Chavez, Rota et Garcia. Donc deux Colombiens et ça saute. Il y a Jack Egg qui va partir. Qui part tout seul, le coureur de chez Scott DSM, bah DSM tout seul plutôt. Il m'a l'air d'être un peu en galère. On est sur maintenant la descente. Et ça devrait être joué pour lui. La victoire normalement pour Jack Egg du team DSM. Victoire de l'Australien. Ça relance bien encore dans les virages. Et il se présente dans la dernière ligne droite au Grand Bornand. Victoire de Jack Egg. On retrouve Rota à la deuxième place. Un sprint pour la troisième entre Garcia et Chavez. Chavez, Alain. Non, c'est Garcia qui prend la troisième place. On a Pogacar. Qui avait perdu du temps. 5 minutes. Et là, qui a fait l'effort. Donc, il avait 5 minutes 03 de retard. Et il a remis tout le monde d'accord. On a Sagan qui est dans la descente, qui est à 5 km. Voilà, il arrive avec plus de 11 minutes de retard sur le vainqueur d'aujourd'hui. Et on va être parti pour la dernière journée de course du stream. Ça va être encore une étape de montagne, ça veut dire qu'on va la jouer en échappée. Évidemment, si c'est possible. Et à Megève.
Ouais, on va quand même aller essayer d'aller chercher les points en haut du premier col. Départ de Cluses pour arriver à Tignes. Étape de 150 bornes avec 1, 2, 3, 4, 5 cols répertoriés. Un sprint intermédiaire pour Pogacar, grandissime favori. On ira voir combien de secondes il a repris. Hier, il était à 5,03. Il avait 5,03 de retard. On a Warren Barguil qui est en pic de forme à la 41e place. On va aller essayer. Hop, c'est parti. Alors, on accompagne avec nous Rota, le porteur du maillot à pois. Juste derrière nous, un favori, Jack Egg, qui a gagné hier. Est-ce que ça va nous laisser partir? A priori, oui. Hop, ils veulent pas rouler, donc on va attendre que leur équipier revienne. Qu'ils se dépêchent un peu, quoi. C'est fou ça. Voilà, c'est bon. Non, ce serait bien que ça monte pas comme des bronzes. Ça me permettrait d'emmagasiner un maximum de points. Ouais, donc ça risque d'être compliqué. Va se caler à 60. Et donc ça me permet de reprendre quand même 8 points. Je prends. Donc là pour le moment on est avec Rochas, Schulz, Tusveld et Norheim, Benjamin Thomas en contre derrière Jack Egg, Gosselin, Jorgensen, Rota Van Gestel et Abrahamsen. Pour nous, c'est un peu compliqué. On n'est pas forcément dans une grande forme. Voilà, on est déjà repris par le peloton. Et c'est la Movistar qui roule. Alors, si on va voir Pogacar, il a repris 2 minutes sur Vingegaard. Donc sur la première étape hier, il a repris 1 minute. Moi, je craque déjà. Nous reste 2 km. Est-ce que ça va suffire? Non, ça suffira pas. Juste devant nous, on a 16 bols. En forme du jour, on est à 0,87%. On va se refaire la cerise dans la descente. Avec un intérêt de ne pas être trop loin du peloton. On est à 3 minutes derrière. On a Hugo Hoppstetter qui roule, qui fait le rythme dans ce groupe étau.
Et on est parti là pour 14 km de montée. Hop, Stetter, qu'est-ce qui roule là? Slane, on a Asgreen Cavagna pour Decker. On est là, Col du Pré. Juste avant le Cormet de Roseland. On récupère Sam Bennett, Esman et Pedersen devant nous. On a Berthe et Rochas qui font un beau travail. Hop, Stetter qui est un peu lâché. J'ai perdu 1 minute 30 là, dans la montée. Et on enchaîne avec le cornet de Roseland. Une étape assez compliquée. On est à plus de 18 minutes maintenant de la tête et à 13 minutes du peloton. Et on est sur la montée de Tignes. Pas de pluie aujourd'hui, pas de neige, pas de chute, pas de coulée de boue, comme en 2019. Alors je devais regarder, est-ce que... Non, les vélos spé sont pas... J'ai pas encore pu les inclure. Dans mon jeu, on a Gonzalez. C'est bizarre ça. Normalement, il est plutôt bon grimpeur. Alors à l'avant, on retrouve Jack Egg. Est-ce qu'il va faire deux victoires en 2 jours? On a Patrick Conrad qui a cédé. Et sur le haut de la montée, on est à la flamme rouge. Jack Egg, vainqueur aujourd'hui. Deuxième victoire en 2 jours pour l'Australien. On n'a pas pu se départager là dans les favoris. Et on a Pogacar qui vient prendre la deuxième place devant Ciccone. C'est-à-dire qu'il reprend 6 secondes. Et nous, on est à 8 km de l'arrivée. Alors, autant dire qu'on est en trottinette là. Donc, dans le groupe, on retrouve Berthet, Seigle, Thomas, Cavagna. Evrard, que je connais un peu moins, Nive, Garnarek, Sam Bennett, Stewart, Pedersen. Juste pour être embêtant avec tout le monde, on va faire l'effort maintenant. Et voilà, on finit à plus de 29 minutes du vainqueur d'aujourd'hui, Jack Egg. On a Hoppstetter qui devait encore finir. Jakobsen 177e.
Donc voilà, fin de l'épisode 36 du Petit Frère Sagan. Donc en récapitulatif, une chute sur le Giro et un abandon à la 11e étape. Un poignet fracturé, ça veut dire pas de Giro. Aucune course pendant le mois de juin, c'est-à-dire aucun championnat national. Et une reprise le 24 juin pour préparer au mieux le Tour de France. Ce qui donne cette forme actuellement de merde, mais un pic de forme qui tend à s'améliorer de jour en jour. Donc voilà, fin de l'épisode. On se retrouve demain pour l'épisode 5 du blaireau, du successeur du blaireau. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. C'était Cave. Profitez bien. À plus!